EA Sports. It's in the game. Ça y est, on y est. La première finale du nouveau tournoi sur FIFA 13, le bouclier EA. Donc alors vous pouvez regarder, vous pouvez voir que j'ai fait un 3-0 contre le Spartak Moscou, j'ai fait un 2-1 contre le Mashakalak, voilà, l'équipe des Taureaux, j'ai fait un 5-1 contre Tottenham, et c'est parti pour cette finale en direct live. Allez, on y va. Petite ellipse et on la joue. Ça y est, c'est parti. Alors cette finale ce sera contre le CSKA Moscou. On y va. Oh, c'est bien parti. Oh, bien vu. Et le ballon qui est perdu. Attention, il faut bien récupérer. Ouais, bien dosé ce ballon. Oh, attention, la frappe. Ouais, je l'ai tenté en force. C'est vrai que c'était un peu bête de ma part. J'aurais dû faire un crochet de plus. Ouais, s'il voit la tonne de balle. Dommage. Interception. On se dispute le contrôle du ballon. Oh, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Bien joué. Très bien joué de la part de mon adversaire qui a profité de l'accélération. C'est très très bien joué. J'ai eu un peu de chance, j'avoue. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Là, par contre, j'en ai pas eu. J'ai mon joueur qui s'est retrouvé au sol. Donc, j'ai pas trop suivi l'action. Allez, paillé. Ah, c'est pas hasard, hein. C'est pas hasard, il faut vraiment plus technique avec Payet qu'avec hasard. Avec hasard, la vitesse suffisait. Marvin Martin. Ouais, c'est bien donné ça. Un ballon perdu. Le drapeau s'est levé, je suis pas sûr. On va essayer de passer sur l'aile. Hein. C'est un classique. Ouais, il est bien placé. Une passe là. Une passe là. Eh oui, et tout lieu des Melo qui n'est pas assez. Qui a pas assez de place pour. Faire quelque chose, et là c'est très très mauvais. Là ça sent le but. Il va faire une petite passe pourrie. Ouais, je m'en doutais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, c'est normal. On pourra remettre les ambitions au placard pour aujourd'hui et se remettre en cause dès le prochain match. C'est quand même un sérieux revers. Alors, il se rapproche dangereusement des buts. On vient en contact. Le commentateur qui s'en plaint un peu, c'est un sérieux revers, je viens de prendre un but, c'est tout quoi, je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Dimitri Payet. Marvin Martin. Bon ballon d'attaque. Il va sortir vite devant ce ballon. Il est sur la trajectoire. Ah, c'est bien tâtelé. Ouais. Parce que c'était quand même un peu violent comme ça. Il est présent face au gardien. Oh, c'est parti. Le gardien qui n'a pas eu à intervenir. Oh merde, je suis bourré de côté. Voilà. On va essayer de rectifier.
Dimitri Payet. Avec Payet, c'est vraiment pas évident de passer. Ouais, très bonne accélération vers les buts. Voilà, égalisation de Tulio de Melo. Bon, pour les besoins de la vidéo, c'est pas pour crâner, mais pour les besoins de la vidéo, je laisse mes buts. Je laisserai ses buts aussi, bien sûr. C'est peut-être pas fait. Hein. Ah non, c'est lui qui a passé son but. Et moi, je les laisse, les buts. Je vais le sortir comment le vouloir, un petit pronostic avant ce match. Je ne compte pas sur moi pour vous donner le vainqueur de ce match. Je dirais simplement que ça devrait être serré de bout en bout. Attention à la petite faute de concentration. Ah, la belle passe, ça chauffe. Ah non, ça ne dommage, passe pas. Dommage. Très bien défendu. Allez, elle a tombé du ballon. Dommage. J'ai pas encore. Encore le bon joueur au bon moment, mais quand je l'aurai, ça peut faire mal ce genre de passe. Oh, ça s'est bien fait dans mon dos. Ah, là, il y a comme une petite erreur, j'essaye de m'engouffrer et je suis tout seul. Oh là, c'est quoi de cette frappe? Je me suis complètement dévissé le pied là. Désolé. Mais les défenseurs ont bien contré, se sont comportés vraiment comme des défenseurs. Bonne interception. Ça passe pas. Peut-être que j'ai la touche pour moi. Ouais, je me la tape crânement là. Ces petits pieds sont là, attention. Je la tape crânement. Oh la chance! Là franchement je vous avoue c'est de la chance pure. On va le revoir. En fait la balle est failli sortir, je fais une passe. Et là mon joueur arrive avec un piqué, je crois que c'est Alors, on voit pas les noms, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis la résolution à fond. J'ai pas touché aux paramètres, vous avouerez. En fait le nom est flouté, mais je pense que c'est Je sais pas, à votre avis. Qui c'est, je sais pas qui a marqué, mais je pense quand même que c'est Marvin Martin. Allez, Payet. Payet qui est quand même beaucoup moins rapide. Hein. J'essaye de faire un petit peu le débordement à la hasard, mais ça passe vraiment pas. Il est vraiment pas aussi rapide. Par contre, lui, il a des joueurs très rapides. Il faut faire très attention pour les ailes. Le joueur du CSK. Bien, première mi-temps 2-1 pour moi. C'est pas trop mal. On va regarder un petit peu simplement. Je suis. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. On va regarder dans les détails, dans les détails du match, c'est ça. Que faire tourner le ballon. C'est du match, ouais ça. Ouais, c'est ça. Marvin Martin. C'est ça. Donc on va regarder. On va jeter un tout petit coup d'œil au stats avant de faire. Voilà. 57% de possession de balle. 5 tirs contre 3 pour lui. J'ai une légère, mais très légère domination. Par contre, au niveau de la précision de tir, il était quand même bien plus précis que moi. Enfin, bien plus. On est quand même pas précis les deux. Allez, seconde mi-temps, je fais une ellipse et c'est parti. Voilà. On est revenu sur le terrain pour cette seconde période. Et peut-être mon premier bouclier EA Sport sur FIFA 13. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Je vais rarement comme ça en devant le gardien. Simplement, je me suis planté. Dans mes contrôles, c'est pas grave. Allez, hop, on va essayer de passer un petit peu plus rapidement à l'avant. Hop, sur la ligne de touche. Voilà, ça passe. Ah, ça aurait dû rentrer, ça, cette frappe là. Parce qu'attention, hein, à 2-1, je suis vraiment pas sauvé. Hein. Regardez, hop, ça, si ça passait, j'étais dans le mal. J'étais dans le mal. Hop. Non, mais ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, je sais pas si je la touche ou pas là.
Il aurait pu être dangereux. Je crois qu'il a pris très de l'extérieur. Regardez qu'il va pouvoir se dégager après cette sortie de but. Au lieu d'Emile. Il donne son ballon. Ça passe de but. Ah, un petit peu de précipitation, c'est mon adversaire qui met en touche. Hop. Oui, c'est pas du... Et un autre but de Toulouse, Demelo. Comme quoi, la moindre erreur, la moindre petite erreur peut être tout de suite une sanction. Alors, je sais pas si est-ce que qu'est-ce que je peux faire bon, au niveau d'effectif. J'ai envie de faire rentrer Balmont. Voilà. Hop. L'adversaire qui doit certainement être en train de faire des changements. Et maintenant 3 buts à 1, t'as de l'affichage. Donc bah voilà, c'est... Allez, je sais pas si je vais faire ça toutes les... à tous les coups liés, parce que bon, là, c'est mon premier, donc... Si je le gagne, en tout cas, hein, j'en sais rien. Si je le gagne, vous verrez cette vidéo si je le gagne pas. Ah, vous en verrez une autre. Parce que de toute façon, mon premier bouclier, je vais le filmer comme ça en mode final. Finalement, je trouve que c'est pas si mal aussi, mais c'est peut-être un peu long. Donc, ben, s'il y en a qui aiment, qui mettent des. Enfin, s'il y en a qui préfèrent que je fasse un petit. Juste un petit clip comme je faisais sur le bouclier, bah, signalez-le moi dans les commentaires. Et sur ce ballon, match délicat, pour lui, pour le moment. C'est un peu la fin du cauchemar pour le gardien. Au lieu des mélos. Bon, la passe déterminante peut-être n'est pas loin du but. Ah, la talonnade, ça aurait été vraiment pas mal. Attention, un contre, là c'est très bien joué. Mathieu Debuchy. Ça c'était nul, je l'ai vu en la faisant, la passe qui a été complètement inutile. Oh là j'ai fait une erreur aussi, attention. Il aurait dû tenter sa chance, dommage. Profiter pas un petit peu des erreurs de l'adversaire hein, dans les matchs comme ça aussi importants. Après c'est pas tricher hein, c'est simplement profiter d'une erreur et voilà comme là une mauvaise passe. Moi je fais une erreur derrière, ça arrive, regardez, hop. Allez, il y a encore la place. Coupe de Demelo. 1-2. Bah, j'ai cherché la complication, ouais, non mais c'est sûr, mais. Vous verrez jamais faire des centres, hein, les mecs. Vous attendez pas à avoir des centres et tirs comme tous les noobs qui jouent sur. Bah, moi je considère que c'est noob de jouer comme ça, parce que quand on fait tout le temps, quoi, je veux dire. Moi je pense prendre des buts, souvent c'est comme ça, quoi. C'est un centre, un tir et. Et le problème c'est que c'est pas une fois, quoi. C'est le mec qui fait que ça, il arrive sur le côté, il centre, il tire, je veux dire, faites des frappes les mecs, ayez un peu de coups dans votre jeu, quoi. Essayez de, si vous n'avez pas l'habitude de jouer, faites des matchs, puis ayez pas peur de perdre, hein. Moi j'en ai perdu des matchs, c'est n'importe quoi, ça. Les mecs ils perdent un match, on dirait qu'ils perdent leur vie complète, quoi. C'est enfin, absolument incroyable, mais vrai.
Et ça continue. Il est dans la surface, attends. Ok, il est bien parti. Ah, c'est pas vrai. Ah, celle-là, franchement, celle-là, elle est dans les, à mettre dans les annales, quoi. À mettre dans les annales, quand même. Cette frappe sur le poteau, quand même assez terrible. Les dernières pauses, je crois que c'est bon. Ça commence à sentir bon pour moi dans ce premier bouclier. Peu de chance d'aboutir. Allez. Allez, le dernier corner, changement pour le CSKA. Changement même. Il y a des choses qui récupèrent le ballon sur ce corner. Ah, il y a un lag, j'ai cru qu'il s'était déco pendant une seconde, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est mon enregistrement qui C'est mal dosé, ce serait une touche. J'ai dû peut-être faire laguer légèrement le jeu. Hop, c'est parti, là ça rose. Tout à fait fluide. Ah, j'ai tenté un truc assez violent. Ah, j'ai tenté la fin de Burat-Terre, mais franchement, je suis pas très bon pour les coups francs. Je suis pas bon du tout pour les coups francs, faut le dire. Faut le dire comme ça d'ailleurs. Ah, c'était hors jeu. Je pensais que c'était la fin du match, mais c'était juste un hors jeu. Et voilà, c'est fini. On va donc assister à la scène de liesse totale, si mon collègue me le permet. Il mérite totalement sa victoire. Nous avons monté en puissance pendant toute cette compétition. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense pour eux. Bravo, monsieur. La collade, les feux d'artifice. Bon, enfin bref, c'est une victoire quand même, tout simplement. Le feu d'artifice qui part du centre du terrain où il y a le joueur d'ailleurs. Absolument complètement craqué le truc. Une scène qui ressemble fort à celle du 12 d'ailleurs dans la continentale que je vais faire juste après. Hein. C'était pour le bouclier. Alors je vous fais pas tous les matchs parce que ce serait trop long et trop lourd en upload. Et voilà. Ouais, bah c'est exactement à peu de choses près la même scène que sur FIFA 12. Ils se sont pas trop cassés la nénette, les mecs. Ils ont rajouté des petits trucs. Oui, puis le bouclier, le fameux bouclier IE. Voilà, pour le LOSC. Premier bouclier pour le LOSC. Cheese pour la photo, les mecs. Et merci. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, si vous trouvez que ça valait le coup. Donc bah voilà, champion du bouclier avec le LOSC, hein, les 4 matchs avec le LOSC. Donc j'ai commencé avec le Spartak Moscou 3-0, le match à Chalak 2-1, Tottenham 5-1, et je finis sur cette finale en 3-1 contre le CSKA. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, salut!